Donne-moi ça. On peut l'utiliser pour faire... Hé, Costa, pas mal, hein? Génial. L'idée de Scoopa est née de notre mode de vie personnel. Trouver des déchets et leur donner une nouvelle fonction. Les transformer en objets fonctionnels, utiles à tous. Des objets de design, des objets intelligents. Et surtout trouver un vieil objet et le transformer en quelque chose qui nous plaît. Le concept de Scoopa est né de ma recherche de nouveaux matériaux et de mon intérêt pour l'écologie. J'ai réalisé qu'on pouvait réutiliser de vieux débris et en faire de très beaux objets. J'avais une vision esthétique à partir du métal, de bouteilles, de lampes. Et le concept est né. On a travaillé ensemble et on a créé Scoopa, un projet qu'on trouvait intéressant. On travaille ensemble depuis environ un an et demi. On récupère des déchets, on leur donne une nouvelle forme et une nouvelle fonction. Et voilà. L'upcycling n'est pas né d'hier. Le concept existe depuis des années. J'ai vu des gens couper un baril en deux pour y cuire de l'agneau. C'est une forme de revalorisation, non? Ma grand-mère et ses amis découpaient des sacs en plastique pour en faire des couvertures. J'ai beaucoup de souvenirs de ces habitudes dans les villages. Aujourd'hui, on reprend les mêmes techniques. On croit qu'on a inventé quelque chose, or c'est faux. On pourrait employer le terme « revalorisation ». On ne fait pas fondre des barils en métal pour en faire autre chose. On ne consomme pas d'énergie pour créer une décomposition moléculaire. On réutilise la forme initiale pour un résultat unique. Pour moi, créer un objet pour Scoopa, c'est de l'improvisation. Et j'adore ça. Je regarde l'objet et j'imagine ce que je pourrais en faire. Je travaille librement. Tout à coup, l'objet me guide et m'amène à imaginer comment je peux le transformer en lampe. Ou alors, quelle couleur utiliser. Je trouve ça très intéressant. En fait, j'improvise, je m'exprime et j'obtiens un résultat original. Pas mal, hein? Et les couleurs? J'ai un morceau de cuir synthétique blanc, c'est joli. Mais je voulais en parler avec toi, maintenant que tu es là. Bien, ça va être joli. Chaque pied est différent. Oui, c'est vrai. Je les ai faits avec un porte-manteau que j'ai trouvé dans les poubelles. Quand les gens voient ce qu'on fait chez Scoopa, ils découvrent que nous créons quelque chose d'unique à partir d'un objet, qu'ils ont jeté. À l'heure où on ne peut plus consommer, l'idée apparaît. On se rend compte qu'on peut créer quelque chose de beau avec pas grand-chose. Et voilà. Magnifique.
On a lancé le concept durant une période très difficile pour le pays. On le savait. On savait ce qu'on faisait. On savait qu'on gagnerait peu d'argent et qu'on devait travailler avec notre cœur. Beaucoup d'efforts qui ne paient pas. On l'a fait en connaissance de cause. Les gens ont bien réagi et achètent nos créations. Ils nous apprécient et on gagne notre vie. Mais on veut aller plus loin. On veut passer plus de temps à l'atelier qu'au magasin. On veut faire des bénéfices, mais le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. On pourrait faire une chaise longue? Oui, un canapé à deux places. Ah, on pourrait utiliser les roues? Oui, on va mettre deux roues, une là-bas. Et l'autre ici. Qu'en pensez-vous? On va faire une chaise longue. Une chaise longue? Ah, avec un coussin. Oui, avec un coussin. Et un portable, avec lequel on pourrait partir en promenade. Parfait. On a transformé une baignoire en chaise longue. C'est très confortable. C'est une sorte de bureau avec un portable. En revalorisant tous ces objets, j'ai découvert que des tas de matériaux se perdaient dans les décharges. Ce qui me passionne, c'est de retrouver ces matériaux et de créer un réseau pour que d'autres gens puissent les utiliser. Des architectes, des décorateurs, des étudiants en art qui créent des objets ou dans le cadre d'ateliers de bricolage pour enfants, peu importe. Je suis très intéressé par ce type d'organisation. J'aimerais créer un immense espace où tout le monde pourrait venir ramasser des choses pour en faire quelque chose d'autre. Je voudrais créer toute une ville à partir de déchets. C'est sûr qu'on devrait consommer moins à l'avenir. On a assez de choses, non? On s'en sort bien.